Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue sur Beyond Good & Evil. Et du coup, nous sommes partis pour faire la suite. Et du coup, on se retrouve ici dans la cave de Nutri là, et on part de ce côté-là. On l'avait détruit grâce à un robot, si vous vous souvenez, hein. Bref, il n'y a rien de très compliqué actuellement, hein. Ah, soyons discrets. Bon, bref. Actuellement, du coup, il nous reste une photo à prendre, du coup, normalement. Il nous reste encore une photo à prendre d'un trafic d'humains, du coup, normalement. Ok, lui, il va être assez chiant à faire. Voilà, c'est bon. Voyons voir, il n'y en a qu'un seul qui tourne. Non, il y en a deux. Oups. Demande d'autorisation en nettoyage zone. Reçu. Zone nettoyée. Ah ouais, tellement nettoyée. Alors, voyons voir. Voilà. Mince. Je pensais que pas qu'il me verrait d'ici, toi. Bon, ça commence à devenir plus compliqué là. Ok, le secteur alpha est là. Il y en a un là-bas. On va devoir monter au moment où la caisse passe. Là maintenant. Ah, il y en a un autre ici. C'est bon. On est accroché. Décroche-toi, Jade. Bon, on est à la salle de contrôle normalement. Bon, on va pas sauvegarder, ça sert à rien. Voilà, ceux-là, je les ai pris en photo, ouais. Allez, va-t'en. Section Alpha, regardez leurs têtes, ils ne sont plus humains. Ils sont contrôlés par les Doms. Il faut absolument que tout le monde sache ça. Envoyez vite une photo au réseau Iris. Je continue à chercher une issue. Mais toi, t'es un paumé de la vie, sérieusement. Regardez-moi ce beau Section Alpha avec une tête de Doms, sérieusement.
Bravo, Shoni. On publie. Je transmets aussi au gouverneur. Elle acceptera certainement de t'aider à nouveau. On va bien finir par se retrouver. Ouais, bah, monsieur le paumé de la vie, là, ça serait bien qu'on se retrouve quand même. Ok, deux sections alpha ici. On va devoir passer au moment où il retourne à la tête, hein. Voilà. Essayons de passer à ce moment-là. Doucement, mais sûrement. Voilà, parfait. Oh là là. J'y vais. T'as rien vu. Va-t'en. Y'a rien. Oui, c'est ça, y'a rien. Mais oui, t'inquiète pas, il n'y a rien. Rien du tout. Là aussi, encore des actions alpha. Ouais. On dit... Ah, il faut une carte. On dirait bien qu'on va l'avoir actuellement ici, cette carte. Là-bas, il y a un petit conteneur à ouvrir. On va y aller. Voilà, une clé carrée. Parfait, on a réussi à passer. Il y a des lags. Nous voici ici. Non, ça sert à rien de se garder. Hein. Masse. Alarme! Alarme! Demande autorisation au nettoyage, sonde! Reçu! Sonde nettoyée! On va quand même sauvegarder ici. Voilà. Étage supérieur. Ok, je vois où vous êtes. Je crois qu'on le tient. Et c'est celui-là. Inuit R9. Elle a fait vite un peu tard. Alors, on va voir. N8. R et 9. Hop, validé. Elle a fait quand même super vite, hein, sérieusement. Nous voici à la zone de l'embarquement. C'est d'où qu'on avait vu la fenêtre? Là-bas. On était là-bas. Ah! Notre oncle, Patch! Excellence.
incident est clos, Excellence. Mes troupes d'élite ont localisé et neutralisé tous les ne vous inquiétez pas, Excellence. Je vais régler ce détail moi-même. Il l'a tué. Il nous a jeté une perle. Ah, il s'en va aux abattoirs. Et la perle réagit. Oh là. Ah bah tu t'es pas perdu en chemin toi. Il est déjà mort, sérieusement? C'était nul comme combat. Il est déjà mort. C'est mignon. Robo-Zoms de la fabrique. Ouais, bah ça, actuellement, c'était un putain de robot. On peut ressortir par là, mademoiselle Jade. Voilà. Regardez-moi ça, il y a même un pinceau garde ici. Mais ça nous intéresse pas. Eh, viens mon petit. On est sur le bon chemin, la sortie n'est pas loin. Ah, là il y a un interrupteur. Ouais, mais on atterrit ici. Il faut sauter, mademoiselle Jade. Bah, on saute. C'est par là. Mais je le sais que c'est par là. On est bientôt à l'air libre. Tiens. Paige est membre du réseau Iris. Ah, tiens, une question très intéressante. Je sais pas. Je sais juste ce qu'il était pour moi.
Au fait, t'as retrouvé la mémoire, toi, on dirait. Tu refais surface? J'essaye. Mais j'ai un mal de crâne terrible. C'est leur machine qui m'a complètement lessivé. Mais je les avais tués! Le mécanisme est juste là-bas. Je dois pouvoir dégager le passage. Parfait. Il va falloir trouver un fusible dans le secteur. Identification compte. Ok. Une capsule de boost triple temporairement. Une capsule de boost triple temporairement la vitesse max de votre véhicule. J'en ai déjà un de fusible, donc ça va aller. Vous vous souvenez, on en avait trouvé un dans la salle des machines, hein, là. Dans le local électrique, plutôt. Ça marche. Ce truc me ronge de l'intérieur. Je ne pourrais pas résister longtemps. Les gars d'Iris, ils pourront peut-être faire quelque chose pour moi. C'est ma seule chance. Guidez-moi jusqu'à Iris. Je vous en supplie, mademoiselle Jade. Je n'arrive plus à respirer. Il faut faire vite. Je me branche sur mon circuit auxiliaire. Mais il ne durera pas longtemps. Bon, bah on est parti pour aller jusqu'à Iris, hein, et très vite. Ouais, mais il va falloir qu'il se dépêche aussi, le lit. Allez, dépêche-toi, là. Bon, on a quitté la fabrique. Tiens bon. Mais non, regarde. Il a pas fait long feu. Courage, on est sorti de la zone interdite. Je vois à l'entrée de la cité. Double H, tu m'entends? Ça va pas fort. Je sens cette saleté qui progresse. C'est là-bas. Allez, on se barre. Ah, j'y vois plus rien. Où êtes-vous, mademoiselle Jade? T'inquiète pas, tu vas te TP. Voilà. N'hésitez pas à ne pas l'attendre, hein. De toute façon, il va te TP. J'y vois plus rien. Où êtes-vous, mademoiselle Jade? Hop. Et voilà, on est arrivé au repas, du coup. Double H au rapport. Les sections Alpha ont pris possession de... chaussures. À vos ordres. Hub. May, faut lui donner notre dernière dose d'antidote. Hub, tu m'entends? Réponds-moi. Son pouls descend à toute vitesse. Dis-moi quelque prépare chose, l'injection. Dis-moi, May. Grouille, il est en train de partir. Je suis là, Hub. Ça va aller. Tiens bon, ça va aller. On en sait un peu plus sur Jade. Grâce à toi, Jade, Hub est sauvé. Oui, je... C'est un costaud, il s'en remettra. Dans deux bonnes semaines, il sera sur pied. Mes amis, je crois que Jade vient de nous offrir une formidable démonstration de courage. Bravo, je l'ai tenu. Bien, viens voir maintenant. C'est là que sont acheminées les victimes. Là qu'ils ont emmené ton oncle, Jade. Les anciens abattoirs. Ton prochain reportage. Jade, je voulais te dire que ton reportage à la fabrique a eu beaucoup d'impact sur la population. Les Iliens nous ont spontanément témoigné leur soutien. Des perles! Ça te sera utile pour la suite. Merci. Bon, on en a 20. Je reviendrai prendre des nouvelles de Double H.
Bon, voilà. On en a fini avec ici. OCPLB. On casse pas le binôme. Carlson et Peter, page 823. Je croyais qu'il te fallait 2 semaines, toi. On casse pas le binôme. Carlson et Peter, page 823. Ouais. C'est ça. Ni Alpha, tous avec Iris. Bah du coup on a une clé triangle et on a une clé carrée, mais actuellement ici on a une perle à acheter. Non, pas besoin de parler. Identification compte. Ok. Mince. 46 carrément. Là-bas il y en a. Là-dedans, il y en a une aussi, du coup, aller chercher. Identification compte. Ok. Voilà. Actuellement, du coup, rediffuse la phrase parce qu'il y a le M-disque, du coup. Un nouvel M-disque qui est apparu dans sa rangée. Hein. Iris 513. Parfait. Tu es enregistré. Tu recevras les flash infos en direct. Voilà. Iris 513, voyons voir. Iris 513. Trafic d'êtres humains à la fabrique de Nutril. Selon les sections Alpha, les navettes entre la fabrique et les abattoirs assurent le ravitaillement de nos soldats. Mais nos reporters ont réussi à infiltrer les lieux. La fabrique dissimule en fait un gigantesque trafic d'êtres humains. Des centaines de victimes y sont acheminées quotidiennement sous la surveillance des sections Alpha. Les sections Alpha elles-mêmes sont contrôlées par les DOMS. Les sections Alpha sont des traîtres à la solde des DOMS. Oh. Ils utilisent quand même des mots forts, hein. Bienvenue parmi nous. Tu recevras en direct les flashs d'infos du réseau Iris. Bon, bref, on va sauvegarder et s'arrêter ici, du coup, pour aujourd'hui. Bah, du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut et bye bye, du coup.